Des rochers et de la boue sont venus s'échouer contre les maisons. Ce spectacle de désolation provient de la petite ville de Montecito en Californie. Après le cauchemar des incendies, les résidents de la région de Santa Barbara affrontent cette autre calamité, des coulées de boue dont le bilan s'élève à au moins 15 morts. Les collines normalement boisées de cette zone ont été rasées par les flammes. Plus aucune végétation n'a empêché la terre de dévaler sur des centaines de mètres, dévastant tout sur son passage. Au moins 25 personnes ont également été blessées. Les opérations de secours se sont poursuivies ce mercredi. Des dizaines de personnes ont pu être mises à l'abri, comme cette femme et son nouveau-né. Des opérations de recherche se poursuivent également pour localiser d'éventuelles victimes dans les maisons, éventrées par les rochers et la boue. Selon les autorités, certains n'ont pas respecté les ordres d'évacuation qui avaient été émis. Ces glissements de terrain dévastateurs font suite à deux jours d'intenses pluies dans le sud de la Californie. Des portions d'autoroutes ont dû être fermées à la circulation, le trafic ferroviaire était aussi perturbé. On dirait un champ de bataille de la Première Guerre mondiale, a commenté le shérif de Santa Barbara.